Karim Benzema n'a rien reconnu du tout. C'est effarant de lire des choses pareilles dans la presse. Il proclame son innocence. Il est vraiment de tout cœur avec son ami Mathieu Valbuena. Lui aussi a subi d'ailleurs les mêmes tentatives. Il n'a pris aucune part, je dis bien aucune part, à du chantage ou d'une tentative de chantage. Il a été mis en examen par le juge d'instruction qui lui a notifié, c'est-à-dire qu'il a informé de ce qu'il était un suspect. C'est là, on vous reconnaît comme un suspect, c'est les termes de la loi. C'est en rien une déclaration de culpabilité. Ça veut dire, voilà, il y a des éléments qui peuvent être interprétés. Je dis qu'il s'agit beaucoup d'interprétations contre vous. Donc, je vais faire la lumière sur tout cela, nous dit le juge d'instruction. Encore une fois, ce n'est que le début de l'affaire.